السلام عليكم. اليوم نضرب جولة رائعة مبهرة في مدينة علي منجلي الجديدة بقسنطينة، واللي تبرز هذا الفيديو الرائع جوانب من التهيئة الخارجية التي تمت في يعني السنوات القليلة يعني الأخيرة القليلة في كل جوانب المدينة الجديدة تاع سيدي علي منجلي، واللي تظهر أنه فيه تطور غير مسبوق لهذه المدينة. أترككم تتابعون، والسلام عليكم. Constantine, Sirta, Sarim Batim, une des villes les plus anciennes du monde, connue par son histoire, ses monuments et sa localisation stratégique, elle est considérée comme la capitale de l'Est algérien. Constantine a connu aussi une croissance démographique marquante à cause de l'exode rural des années 70, qui a créé un étalement urbain et de nombreux bidonvilles ont été apparus. Et c'est ici que le Conseil des ministres avait accordé la proposition d'étude du site de la nouvelle ville Ali Menjli en 1983. C'est grâce aussi à la politique de création des villes nouvelles en Algérie, pour faire face au problème de l'étalement urbain anarchique des villes. La ville de Ali Menjli se situe dans les hauts du plateau Ain El Bey, à 800 mètres d'altitude, et s'appuie sur une enveloppe foncière de 2441 hectares. Éloignée à Constantine de 14 km, 8 km de Insmarae, 11 km à El Kroub, Ali Menjli fait partie des deux communes d'El Kroub et de Insmara. La ville de Ali Menjli a vu la lumière au sein des années 90, elle est divisée en 20 unités de voisinage, plus deux extensions et extensions sud et ouest, en sorte que chaque unité sera traitée séparément, pour une bonne exploitation spatiale et un contrôle adéquat de la population. La ville connaît une fluidité des systèmes viaires, grâce à ses deux axes urbains et ses axes secondaires qui lient les différentes unités. Cette fluidité et accessibilité est assurée aussi par le biais d'une ligne de tramway venant depuis la ville de Constantine. Ali Menjli est une ville attractive grâce aux différents pôles, le pôle universitaire, le pôle administratif, le pôle commerce et loisirs, le pôle de transport, le pôle touristique, le pôle industriel. Le développement de la ville de Ali Menjli a atteint plus de 86 000 logements et plus de 450 000 habitants, a causé aussi une dégradation au niveau de différents espaces urbains, les VRDE, l'éclairage public. C'est ici que notre établissement a intervenu. En s'appuyant sur les résultats de l'étude d'aménagement de la ville de Ali Menjli, nous avons réalisé 10 opérations concernant l'unité de voisinage numéro 6, 7 et 8, inscrits en 2018. Puis l'UV1, l'UV2, l'UV5 et 13 en 2019. Puis en 2021, l'UV4, l'UV14 et 17. L'état d'avancement global de ces 10 opérations est à 95%, impactant plus de 44 000 logements. Inscrits en 2018 et en 2019, les 3 opérations concernant les travaux neufs à l'extension ouest sont achevées à 100%. La nature des travaux de ces opérations, terrassement, AEP, assainissement, VRD et éclairage, a accéléré la réception des différents programmes de logement AADL, LPL, LSP et LPA. Les travaux de VRD primaire et secondaire, et les travaux concernant l'éclairage en photovoltaïque, au niveau de l'extension ouest, ont aidé à livrer plus de 17 000 logements. Concernant la ville de El Naas, c'est un pôle urbain, qui s'étend sur une surface de 150 hectares, au sommet de la colline de Kef Bel Kouech. La ville de El Naas se développe à côté de l'axe routier Constantine-El Kroub. Et c'est en 2012 que les premiers chantiers des logements sont apparus. À ce moment, El Naas compte plus de 7600 logements et plus de 38 000 habitants. La ville de El Naas a bénéficié d'une opération de viabilisation.
Les travaux de VRD primaire et secondaire sont dans un état d'avancement de 100%. Cette opération a eu un impact de 1300 logements. Nous avons réalisé une étude du complément du poste de NAS pour le but d'amélioration de la qualité de vie des habitants. Pour finir, l'établissement d'aménagement des villes, de NAS et de Alimenjoli, essaie toujours de compléter ses missions, tout en assurant la coordination avec les intervenants des deux villes, l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, l'encouragement du développement des programmes de logement et la réalisation des études générales et spécifiques du plan d'aménagement des deux villes. Voici parmi nos réalisations à la ville de Alimenjoli. Une place publique au sein de l'unité de voisinage numéro 13. Avec une longueur de 950 mètres, cette placette est considérée comme l'agora ou le lieu de regroupement principal. Cette réalisation est devenue le premier lieu événementiel de la ville en touchant toutes les tranches d'âge. Pour épouser la forme du terrain, la placette est conçue en tant que parcours dynamique, tout en déplaçant sur les différentes banquettes. Voici un autre exemple. Une placette au niveau de l'unité de voisinage numéro 17. Cette placette abrite plusieurs aires de jeux pour enfants, des parcours de balade et des lieux de rencontre. Un lieu de regroupement familial, aménagé et doté d'un grand terrain de football. En épousant la forme du terrain, nous avons pu concevoir une placette avec une telle dynamique urbaine. La placette de l'unité de voisinage numéro 17 est devenue l'espace de regroupement phare pour les quartiers sud de la ville de Alimenjoli.